Coucou les curieux créatifs, on se retrouve pour une ouverture courrier pour le concours du chat-anniversaire de la chaîne du chat bricole. Regardez le beau courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Les thèmes sont super, je ne les ai jamais vus. Avec la sympathie, la satisfaction. Et en plus, regarde, c'est trop gentil. Nommé qu'un merci facteur. Et c'est Maria, j'ai oublié de le dire, Maria de la chaîne Maya. Que vous pourrez trouver du coup avec en cliquant sur le petit arrobas. Il m'a fait cette superbe enveloppe et je réalise, j'ai pas caché l'adresse, mais elle est toute décorée derrière. Et elle m'a mis un super joli washi aussi. Les petits cœurs, tout dans les violines. C'est juste trop beau. J'adore ton tampon, Maria. Il est sublime. Allez, découvrons ensemble les jolies créations de Maria. Ah oui, du coup, si ça s'ouvre comme ça. Elle est trop belle, ton enveloppe. Et ça, oui. Pardon, déjà. J'avais jamais pensé à le faire. Je sais pas si j'ai un tampon assez grand, mais c'est super de faire un tamponnage comme ça. Mettre l'adresse au milieu. C'est trop beau. C'est une super idée. Si j'ai un tampon assez gros, je crois que je piquerai ton idée. Je fais attention parce que je sens que j'accroche quelque chose. Oh, il y a plein de choses. Oh, ça fait envie. Oh, c'est joli. C'est joliment emballé en tout cas, ce que je vois. Allez, découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je tremble. C'est terrible, ça me fasse trembler à chaque fois. Je crois que j'ai coupé... plastique. C'est beau les petits. Oh, mais je sais pas comment l'attraper. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Il est beau ce papier. Normalement, il y a tout. C'est bon, j'ai rien oublié. On va mettre de côté pour avoir un peu plus de place. Est-ce que cette fois, j'essaie de trouver la memory dex en premier pour la mettre tout le long de la découverte. Donc, c'est trop petit. Il n'y a pas la memory dex dedans. Oh, ben voilà, elle est là. Que c'est beau. Oh, elle est trop. J'arrive à voir là, dans ce bris. Je vais ouvrir. Trop belle la machine. C'est trop beau en tout cas ta pochette là. Mais oui. La pochette est trop belle. Trop belle. Et je suppose que c'est la carte qui a sorti. J'ai lâché la memory dex. Regardez-moi ce travail. Comme c'est beau. Du coup, memory dex est sublime. C'est beau. Petite fleur aussi en tissu en fil. Petite machine à coudre. Et très beau aussi ce dice papillon. Vite fait derrière, je suis trop curieuse. Oui, que je vois. Bon, du coup, quand je peux le dire, c'est toi qui les as faites, ces petites fleurs. Moi, j'avais un peu, je me doutais que tu aimais la couture. J'avais dit que la memory dex devait vous ressembler. J'ai vu la couture, ça. Je me suis dit, c'est toi qui as crocheté ça. Ah, faut que tu me le dises. Hein. C'est trop beau. Je crochète un petit peu, mais je suis débutante. Je fais du basique, ça m'impressionne comme c'est beau. Allez, je mets ta memory dex et on va découvrir le reste. Je vais pas m'extasier trop longtemps, sinon je vais faire une vidéo de 3 quarts d'heure. Alors, là, je peins rapide, on va relever un petit peu. Voilà, c'est très beau, en tout cas rose, je vais comme ça. C'est superbe. Est-ce que c'est carte? Oh, c'est très joli. Non, c'était juste les papiers. Ça faisait le fond du petit sac en fait. Parce que c'est le même papier. Et présentation. C'est une très jolie présentation. Oh, c'est beau. J'ai cru que c'était pas les mêmes petits cœurs. Ça change l'effet. C'est super joli. Ils sont beaux tes papiers. Super joli. Hop, on va mettre ça un peu plus sur le côté.
Ça, tu nous as fait un superbe pliage. C'est bien ça, j'ai découpé. Et le même... C'est la carte qui est en pliage. Mais encore le travail, c'est beau. Mais c'est trop trop beau. Oh, j'adore. C'est beau ce ruban. Ah, c'est du ruban élastique. C'est du ruban. C'est du ruban élastique. Et oui, pour faire les fronces comme ça. C'est trop joli. Il est super aussi ton sticker là. Waouh, classe. Elle est superbe ta carte. Du coup, je dois ouvrir. J'ai sérieux. C'est dur d'ouvrir quelque chose comme ça, de beau comme tout, mais écrit carte. Hein. C'est ça sort. Et je crois qu'il y a le petit mot. En même temps, j'ai envie de te répondre en live sur ce petit mot. Bon, ça va, c'est une boucle simple, je devrais y arriver. Ça fait un corset. Corrige-moi aussi dans les commentaires si je me trompe, pour moi ça représente un corset et c'est sublime. Ouais, je prends des photos pour après faire un récap de toutes vos participations. J'espère que j'arriverai à le mettre en état. C'est rigolo parce que du coup comme c'est élastique. J'aimerais montrer ce que ça fait quand ça se déplie, mais du coup il y a ton petit mot. On ouvre le corset comme ça. Et c'est trop trop beau. C'est pas très évident d'écrire sur un triangle. La carte, l'écriture est sur un triangle. Ça doit être long comme pliage. Donc, loin d'être modeste ta participation, c'est très 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 beau. Là. Elle précise que c'est son univers, je pense que je peux le dire. Bon, même si vous connaissez sa chaîne, vous avez dû voir un peu beaucoup de dentelles de douceur. Et c'est Maya 0776. Parce que la première fois, j'ai galéré à la retrouver. Parce qu'il y a quand même pas mal de Maya sur YouTube. C'est vraiment très joli, là. Avec le noir et l'argenté. Ton univers est vraiment très très beau, très féminin, c'est superbe. Alors j'ai compté. 2, 3, et j'ai pas laissé assez. Bon, je vais refermer pour que ça reste joli. Et c'est vraiment très 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 beau ce que tu as fait. C'est correct, je garderai quand même comme ça pour la petite photo de présentation. Mais c'est pas très correct. Voilà, j'ai raté le nœud. Je referai mieux. Là, c'est juste pour finir de découvrir avec les copines. Je continue à parler au féminin parce que j'ai eu une fois un commentaire d'un garçon. Donc j'ai tendance à penser que vous êtes que des filles. C'est trop beau. Elle est belle, cette petite enveloppe carrée comme ça. Et la petite finition. Oh! J'ai le mot patch qui me vient, mais c'est pas patch. C'est comme les. Applique, voilà. Une applique en dentelle. C'est super joli. Je pense que ça s'ouvre. Bon, c'est déjà très joli en soi. Et on dirait qu'il y a quelque chose dedans. C'est de ce côté-là. Alors, je coupe proprement. Bon, n'hésite pas à me crier dessus en commentaire si j'ai fait le mauvais choix. Mais j'ai pas envie de tirer, j'ai pas d'abîmé. Ah. Ouais, ça déchire un peu le papier. Tu sauras qu'il colle vraiment très très bien. Si c'était des autocollants ou la colle que tu as utilisée, il colle très très bien. Oh, c'est plein de mini corsets, c'est ça? Oh, petite robe, mais c'est trop joli! C'est trop trop beau. Des petites robes, des petits corsets. Et si je me suis trompée, tout le monde dans la vidéo, elle... c'est pas des corsets. Je dis, c'est des corsets, ça. C'est sublime. Très féminin. C'est très très beau. Très très beau. Merci pour ta belle participation, Maria. C'est sublime. Voilà. Je crois que tout est dit.
vraiment beau travail. J'espère que tu as fait des tutos pour ces pliages, que tu nous as montré comment tu les faisais. Comme ça, si Copine ou moi-même avons envie de nous essayer à ces beaux pliages origami, on pourra trouver sur ta chaîne. Peut-être tu peux nous mettre en commentaire le nom de la vidéo si tu l'as fait. Comme ça, je le mets je l'épingle et ça sera le premier commentaire de cette vidéo pour qu'on retrouve facilement comment faire ces beaux pliages. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment à découvrir ces très belles créations de Maria avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.